Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va traiter la question suivante. Est-ce que c'est possible de faire un entraînement d'eau efficace à la maison sans matériel? Alors, cette question-là, pourquoi je l'évoque en vidéo? Tout simplement parce que pendant le premier confinement et ce confinement-là, j'ai eu pas mal de demandes. Ouais, Dan, fais une vidéo d'eau sans matériel, fais une vidéo d'eau à la maison. Où tu peux nous expliquer est-ce qu'il y a des exercices d'eau sans matériel? Voilà. Des questions auxquelles je n'ai pas donné suite au premier confinement. Mais là, je vais donner suite, je suis obligé. Je suis obligé. Parce que aussi, je vois pas mal de choses sur Internet que moi, j'approuve pas. Je vais pas dire que c'est des conneries, hein, mais moi, j'approuve pas. Des entraînements d'eau bizarres avec des serviettes et tout. Et moi, pour moi, non, non, non. Déjà, à partir du moment où tu vois des vidéos d'entraînement d'eau où c'est marqué sans matériel. Mais tu vois que le mec il utilise une table pour faire des sortes de tractions bizarres, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où tu vois des titres exercices d'eau à la maison sans matériel et tu vois que le mec il prend une serviette pour faire un tirage, il y a un problème. Exercice d'eau sans matériel, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Moi, pour moi, il n'y a aucun vrai exercice d'eau sans matériel, mis à part les lombaires. Tu vois, les lombaires, tu peux les faire sans matériel. Il n'y a aucun souci. Tu peux les renforcer sans matériel. Avec l'exercice Superman qui est vraiment bien et top. C'est juste ça. Sinon, tout le reste, il te faut au moins un truc. Il te faut un accessoire. Il te faut quelque chose. Après, je parle du dos. Mais c'est comme les biceps. Les biceps sans matériel, c'est compliqué. Mais des titres, ouais, musculation, bras sans matériel, tu vas voir quoi? Tu vas voir des gens, ils vont essayer de faire du curl avec une table, avec des packs d'eau, avec. On a dit sans matériel. Sans matériel, c'est sans matériel. Tu vois? Et ça, le curl pack d'eau, le curl pack de lait, ça, franchement, c'est n'importe quoi. Parce que le pack d'eau, il est bien quand il est en lot de 6. Les 2 litres en lot de 6, c'est bien. Mais dès que tu ouvres, bah, c'est fini. Ah, parce que l'eau, tu vas la boire après le lait, tu vas la boire. Tu vas faire une série, après, tu vas rendre le lait à. Non! Non, non. En fait, ça. Tu vois, ça c'est des titres qui sont putaclic et c'est des vidéos pour faire des vidéos, tu vois. C'est bon aujourd'hui, je vais faire une séance bras, je vais prendre des packs de lait. Mais demain, quand tu vas boire le lait, tu vas faire comment? Parce que le but de faire un exercice, c'est de tenir les exercices. C'est pas juste de faire un exercice après de se reposer 2 semaines. Non, le but c'est de tenir. Le but c'est d'être dans la durée, tu vois. Donc il faut réfléchir à des exercices et du matériel qui tiennent dans la durée. Parce que pack d'eau, pack de lait, non, ça sert à rien, malheureusement. Donc voilà, ça pour dire que malheureusement, je ne trouve pas d'exercice d'eau sans matériel, malheureusement. Oui, tu peux faire tes tractions avec ta table, tu feras des tractions avec ta porte et tout. Tu peux faire ça comme la vidéo que tu vois, mais il y aura toujours un truc, il y aura toujours un matériel, il y aura toujours quelque chose. Mais sans rien, c'est pas possible. En revanche, moi, ce que je te préconise d'avoir. Pour bien travailler ton dos à la maison, c'est au moins d'avoir une barre de traction, au moins une barre de traction et un élastique. Avec ça, tu es tranquille, tu n'as besoin de rien d'autre. Vraiment, si tu as du matériel bas budget et le strict minimum, c'est ça. Après, oui, bien évidemment, tu as des haltères, tu as une barre, c'est autre chose, c'est mieux. Mais le minimum, c'est une barre de traction et un élastique. Et je t'assure que tu peux tout faire. Avec ça. Bon, avec les tractions, je vais pas te faire de schéma. Hein. Tu peux faire ta traction en prise pronation, supination, en prise serrée, en prise large, en prise hauteur des épaules. Tu peux faire tout ça en traction. Et c'est assez complet. Mais ce sera que des tractions avec la barre de traction. Après, bien évidemment, tu peux travailler aussi tes abdos avec la barre de traction. Quelques mouvements de street workout. Mais en termes de dos pur, c'est ça. Tu vas bosser en traction. Et traction. Pour moi, ça fait partie des meilleurs exos dos. C'est partie de la base du dos. Avec l'élastique, en revanche, tu peux imiter des vrais exos que tu peux trouver à la salle de sport. Que ce soit du tirage à la poulie basse, tu peux l'imiter avec l'élastique. Tu peux imiter aussi du tirage à la poulie haute. Ça, c'est vraiment un très bon exercice pour le dos. Et aussi, tu peux imiter plusieurs sortes de rowing avec l'élastique. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un élastique. Quand tu es dans une période un peu comme ça de confinement, ou même quand tu es en vacances, quand tu veux gonfler un peu avant d'aller à la plage, avant d'aller à la piscine, voilà, quand tu veux faire le beau un peu, ou quand tu veux juste avoir un maintien, quand tu veux juste chauffer un peu ton corps, voilà, c'est vraiment important les élastiques.
Bon, après, je tiens quand même à te dire que l'élastique ne remplacera pas du poids. Tu vois, ça ne remplacera pas une barre, ça ne remplacera pas des haltères et des disques et tout. Ça ne remplacera pas ça. Construire du muscle avec l'élastique, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Après, ce que je te dis, c'est que tu vas réussir à construire du muscle quand même. Tu vas réussir au poids de corps avec l'élastique, tu vas réussir à construire du muscle. Mais il va arriver un moment donné où ce sera fini. Tu seras arrivé à ta limite, tu vois, à ta limite de l'élastique, à ta limite des tractions, à ta limite de tout. Et tu seras obligé de prendre des poids si tu veux évoluer. Mais dans cette période de confinement, on va pas être confiné 8 mois non plus, tu vois. Pour 3-4 mois, tu vas évoluer, tu vas progresser. C'est juste au-delà de plusieurs années. Avec un élastique, avec le poids de corps, là ce sera compliqué. Mais sur plusieurs mois, t'inquiète pas, tu peux évoluer et tu peux bien progresser, que ce soit avec un élastique, que ce soit avec une barre de traction ou que ce soit avec le poids de corps. Donc voilà, si jamais il y a des exercices dos que je compte te partager ou te montrer, ça avec des élastiques, avec une barre de traction, et voilà, enfin du moins des exercices dos à faire à la maison avec peu de matériel. Malheureusement, je ne vais pas faire le tirage avec une serviette ou le truc où je me couche par terre et je monte mes bras en arrière et ça va bosser mon dos. Non, 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 je ne vais pas faire des trucs comme ça. Je vais faire des choses efficaces qui vont vraiment cibler et travailler le dos. Donc voilà, c'était une petite vidéo réponse à toutes les personnes qui m'ont demandé des exercices dos à la maison et sans matériel. Parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Hein. Il n'y en a pas. Je ne vais pas chercher par quatre chemins. Je ne vais pas inventer des choses. Je ne vais pas prendre une serviette. Non, je préfère dire les choses. Il n'y en a pas. Il faut un minimum de matériel pour travailler le dos. Mais je vais te montrer mes exercices dos avec l'élastique et la barre de traction pour te montrer ce qu'on peut faire quand même si à la maison. Ce type de matériel ou si tu comptes commander ce type de matériel. Moi, je te laisse ici et je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite sans oublier de mettre un like bien évidemment et de t'abonner à la chaîne si c'est pas fait.